l'argent, donc les gens qui ont l'argent ne meurent pas vite. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester avec les enfants, même maison, quitter, sortir, coucher vous, vous avez fermé le portail, tout ça. Ça tend les lèvres. Je t'assure. Oh, quand tu viens dans un hôtel comme celui-ci-là, tu te reposes, on te met les petites musiques. Mm-hmm. Attends, merci. Attends, petit Sako, il est même pas si vous. Tout ce qui vient encore. Il y a quelque temps, j'aurais appris qu'il est là, non? N'est-ce pas? Mm-hmm. Mais le gars, il avait son son là. Mon colibri, ni mon là. Oh là là, j'aime bien mon cette colibri. Chanson. Je t'assure. Prince, oh mon homme. Ah. Mon homme. Si je pouvais le voir. Yélélé. 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 Ah bon, la musique, je ne sais pas comment. C'est pas parce que les Africains sont méchants. Imagine un peu un monde sans musique. Catastrophe. Tout le monde devait être nerveux. Parce que tu sais, parfois tu as les nerfs vraiment à vif. Ouais. Mais il suffit d'une chanson là. Oh, tu mets une chanson qui te rappelle voilà. Et puis tu l'as. Tu oublies. Mais ils sont là et ils pensent seulement que c'est un cas avec la politique qu'on va avancer. Quelle politique même? Est-ce que tout le monde sait? Et tu vois que les artistes là, quand on dit vraiment que ce sont les œuvres de l'esprit, tu comprends que c'est Dieu qui les envoie. Je t'assure. Que vraiment, les gens que j'ai envoyés là, il faut les discréter de temps en temps. Mm-hmm. Tout ça. On en a vraiment besoin. Aussi souvent avec toi, parce que tu sais que des fois, quand la femme est restée à la maison, elle se dit seulement que quand son mari est dehors, c'est qu'il est en train de faire des mauvaises choses. Mais est-ce que tu ne fais pas alors ces mauvaises choses? Et Antti, tu m'as encore fait un peu. J'ai la preuve quand je suis avec toi. Quand je ne suis pas avec toi, qu'est-ce qui me dit que c'est pas ce que tu fais? Depuis qu'on marche là, tu as entendu mon nom quelque part. Quand on est arrivé à l'hôtel, tu as vu que quelqu'un me reconnaît, que hey, voici un ancien client. Ah, peut-être parce que tu as choisi un coin tout en même. Ou personne ne me connaît. Oui, c'est une possibilité. Parce que vous là même, vous n'êtes pas doucement, hein. On vous connaît aussi. Oui, c'est qui? C'est que c'est un ami qui m'avait amené ici une fois. Ils ont un cru qu'ils font souvent ici le samedi, là, la piscine, tout ça. J'ai dit que la femme, c'est... Tu sais que je travaille beaucoup. J'ai dit non, il faut qu'il t'amène quelque part comme ça et puis tu vas déstresser. Merci, oh, voilà. Merci. Donc, c'est un peu ça. Ça m'a vraiment fait beaucoup. Les gars investissent, les gens veulent seulement aller chez les Blancs alors que c'est chez lui, ici sur place, on peut bien se divertir, on peut faire on des choses. Très beau coin, comme celui-ci par exemple. C'est très calme, très joli. Voilà. C'est bien. Donc, c'est bien vraiment. J'espère que tu vas penser à m'y amener. De temps en temps. Oui, ça va vraiment me faire. Voilà. Donc, bien, surtout que mon anniversaire arrive là. Donc... Et pourquoi ne même pas venir faire ton anniversaire ici? Voilà, par exemple. Hein? Par exemple. Il y a une chanson que je vois là maintenant chez les étoiles. C'est quoi là? Non glacé! Mon côté plein et won là-haut. You François, way. Mon côté plein et won là-haut. François, mon ogbo, mon ogbo. Ah oui, Anitié, merci papa, merci papa. Ouais, tu es mon artiste préféré. N'est-ce pas? Tu es où? Qu'est-ce que tu es devenu? Ben, je suis là, je suis toujours dans la musique. Ça va, et toi? Oui, ça va. Non, Glacé, tu l'as vu? Fais-nous des photos, s'il te plaît. C'est mon mari là-bas. Ah, ok. Fais-nous des photos. Okay. Ah ouais, n'est-ce pas, hein? Oui. Ton mari, il est Nyanga. Il fait aussi la musique? Non. Ah, faut alors bien cadrer. Je suis très heureuse. On sourit. Mais, souriez, non? Mm-hmm. Toi aussi tu viens, non? Je te filme avec lui. C'est toi qui voulais faire les photos, non? Moi, ok. Ouais, je suis très heureuse. Vraiment, oui. Vous sentez bien. Merci, maman. Vous sentez bien. Merci, maman. Je dis que j'ai vos chansons à la maison. Ah bon, hein? Oui, même monsieur aussi vous aime beaucoup. N'est-ce Il pas? Connaît toutes vos chansons. N'est-ce pas, hein? Mm-hmm. Vous avez le CD à la maison? Oui. Ok, allons. Mm-hmm. Quelques années plus tard, il fut nommé directeur. Très heureuse. Sa maman très contente, elle dit François, on ira fêter cela au village. Celle-là, elle va manger son totem là. Deux semaines après le village, ils reviennent à Abidjan. François s'en va au travail, premier pas dans son bureau, une migraine lui frappe à la tête, François tomba et mourut.
na tu pie dio François Otuo. Là, tu ne peux pas savoir. Je suis tellement contente. Oh là là. Fais-moi que... voir les photos. T'as dit que... Donc avant de parler, de faire les photos. Tu es normal même. Pourquoi? Tu es avec ton mari, tu vois un artiste, tu crois... Tu ne dois pas recommencer avec ton histoire de jalousie, même où il ne faut pas. C'est un bon quel comportement ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu quelqu'un que j'apprécie bien. Ouais, jusqu'à tu me lâches la main pour aller vers lui, jusqu'à tu l'embrasses. Tu es mon mari, non? Je l'ai embrassé et je l'ai amené. Non. Il a fait quoi de moi là? Non. On devait aller vers lui. Après, on lui serrait la main, on lui disait vraiment félicitations par rapport à tout ce que tu fais. Qu'on serait parti. Il faut me laisser ça. Tu l'aimes bien aussi, non? Ne chante pas ses chansons. Il chante quoi? Il ne chante pas. Il chante quoi? Subitement, il ne chante plus rien. Non. Il doit, je n'aime pas ça. Non, il faut se respecter. Quand on est, faut pas te courir là quand tu es seul. J'ai quand... même fait quoi au juste tu n'as pas fait quoi que tu avais ton mari? Comment tu vois un artiste comme ça là? C'est-à-dire que qui c'est pas? Où est le problème? Où est le problème? J'ai vu quelqu'un que j'apprécie bien. C'est normal que je le lui fasse savoir, non? Tu me laisses? Je t'ai laissé pour combien de temps? Je suis partie où? Non. Dis-moi un peu. Ça veut dire que... Toi, avec ton histoire de jalousie, non, c'est pour ça que... ça commence à bien non, faire. Non, la place de la femme mariée, c'est à la maison. Ah quand on soit avec toi, là, ça veut dire que le dehors devient grand, c'est juste que tu te perds. Je me suis perdu en faisant quoi au juste? Je vais encore sortir avec toi. Ça veut dire quoi? Ah, petit sac, comment on est dans ta tête? C'est ça, non? Et maman, nous sommes, hein, te voque. Il t'a averti. Ça. Moi, je n'aime pas ça. Non, il t'a averti, ne pas ça. Choses, pourquoi là? Maintenant, quand il te parle de ça, maintenant, tu vas où? Tu veux me dire quoi finalement? Qu'est-ce que tu essayes de me faire? Fais quoi en parlant, Nidje? Montre-moi les photos. Ah, les photos. Non, Gracie. Attends un peu. Donc, toi, tu as passé le temps à te filmer alors? Ah donc, moi je suis devenu le photographe de vos couples. Ça t'aurait enlevé quoi? Tu te mets avec ton gars, moi il te filme parce que c'est super. Mon gars comment? C'est ça. Toi tu ne l'aimes pas. Oui, et maintenant je vous pourquoi filme. Pourquoi vous êtes comme ça? Je suis bête. Vous appréciez bien un artiste, mais quand vous le voyez, ça devient comme si vous étiez en compétition. Il s'agit de quelle compétition justement? Je ne suis pas en compétition avec lui. Mais tu as vu que, après tu l'as vu, que tu m'as laissé. J'ai parlé de lui là, pap, tu m'as déjà laissé. C'est-à-dire que deux fois comme ça. Non. Et moi, je devais donc être un bout. C'est-à-dire que je suis aussi là, pendant que vous amourachez, je vous filme. Je suis pas content, je me suis amouraché avec lui. Ah, téléphonez-moi. On part. On part. Je vais même plus souvent sortir.